Puis c'est-tu le lanceur au bord qui était en feu ou c'est vous autres qui étiez complètement éteint? C'est soit que lui a lancé le match de sa vie ou c'est nos joueurs qui n'avaient aucune idée aujourd'hui. C'est pas capable de décider. Ok, c'est de pas encore prendre la décision. Peut-être trop tôt encore. Non, j'ai mon opinion là-dessus, mais non, on ne peut pas perdre des matchs de même, ça n'a pas de bon sens. C'est même pas explicable. De là, il faut détruire cette équipe-là. Puis le fait qu'ils nous ont blanchis, c'est pas pardonnable. C'est, ça ne peut pas se faire. C'est la première fois qu'on se blanchit aussi. Une autre équipe, c'est tu veux jamais être la première équipe à qui ça arrive quand t'as un club itinérant comme ça? Oh, pas la première équipe. Tu veux jamais être l'équipe. Parce qu'il n'y a aucune raison de se faire blanchir. Le gars, il y a. 12 ERA, il ne doit pas être Cy Young sur le monde. Donc là, les gars, il faut qu'ils se réveillent. Deux fois ce soir, vous avez eu la chance de faire des points avec les mouvements en pluie. Même qu'on regarde l'alignement, la feuille de marqueur, puis vous êtes sensiblement toujours au même endroit des autres à chaque début de match. Mais pas de points. Dans les deux situations, c'était zéro ce soir. Comment t'expliques ça? Ben, il faut que notre case line-up frappe. S'il ne frappe pas, on ne produit pas. Donc, c'est ça que le cœur du line-up est supposé de faire, et puis on ne l'a pas fait aujourd'hui. Donc, de là, il n'y a aucune autre raison, puis il faut frapper. Évidemment, tu es très déçu. Tu sens que les gars sont choqués aussi, ou c'est une mauvaise encore? Puis... Ah, j'espère. J'espère qu'ils sont extrêmement fâchés, et puis qu'ils ne l'avaleront pas, celle-là, parce que c'est pas pardonnable. C'est pour, on ne devrait pas perdre contre cette équipe-là. Donc, comme on disait, il ne faut rien prendre pour acquis. Peut-être qu'il était trop confortable aujourd'hui, mais il faut faire sûr que ça ne se passe pas demain. C'est dans les. Dans ton livre à toi, c'est dans les rides des fêtes de l'année. Ouais, oui, il faut. C'est pas pardonnable. Mike, à soir, merci, comment tu l'as trouvé? Mike est bien fait. Ouais. Encore une fois, tu sais, il y a des roulants, il y a des petits coussures ici et là, mais il a très bien lancé. Il nous a donné une chance de gagner tout le match, donc il a fait sa job. Et puis, très bon départ de Mike. Les Boulders ont fait leur job aussi, gagné à soir. Ouais. C'est ça. C'est pas le scénario qu'on voulait, mais ça va se finir à Ottawa. On savait que c'était pour se finir à Ottawa, donc de là, faut gagner demain. Et puis, on n'a pas le choix. Arriver avec deux matchs d'avance, ce serait pas pire quand même. Avec un gain, tu pourrais t'assurer. Ça serait le fun, mais honnêtement, ça change rien. Il faut qu'on gagne demain ou qu'on soit à un match ou deux matchs, il faut en gagner deux là-bas. Donc, on peut pas. Parce que si on est égal, on perd. Donc, de là, il faut en gagner deux là-bas, d'une manière ou d'une autre. C'est bien.